vous allez partir pour une demi-heure d'essai de prono par équipe, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans les stands. Vous allez faire comme vous voulez, la stratégie que vous voulez pour faire les chronos, pour se mettre sur la ligne de départ. Prêt ? Allez, Philippe ! Au taquet ? Au taquet ? Au taquet ? Au taquet ? Allez Zoé, prends les derniers conseils avant de partir. Et c'est parti pour le chrono. Voilà, placez-vous sur la grille de départ, on est en train de vous placer. Alors, on a donc Boris Bouvier qui est en pole position, qui est champion du monde. Champion du monde. SWS. SWS. Énorme, Boris. Au garde 28, en deuxième position. Jacques Join. On retrouve Jacques Join. Et puis le kart 22, Valoris. Du club de Niort. Du club de Niort, voilà. Après, il y a Hightech. Hightech karting. Karting de... d'Angoulême, pardon. Kart d'Angoulême, ouais. Alors ensuite, le kart 29, c'est la team Esquel, qui est sur la grille de départ également. Le kart 30, la team Occitanie, qui est là. La team VTLC avec le kart 17 aussi. La team 17 avec le kart 27. On a la team Les Imprévus, ceux que vous n'avez pas prévu de passer le 14 juillet avec nous. Merci d'être là, c'est le kart 25. La team Épicure avec le kart 19. La belle. Ouais, une fille en plus aux commandes là, ça rigole pas. Hein. La team de la 7ème compagnie avec le kart 23. La team Hightech Karting. Et la team Gémozac ici avec le kart 24. Donc voilà pour nos préposés au départ. Attention. Partez! Ça donne quoi? Bah, la piste, franchement, je suis assez surpris et assez satisfait du revêtement et de l'éclairage. C'est vrai que pour avoir roulé dans des pistes telles que Dubaï ou d'autres pistes européennes, c'est vrai que l'éclairage quand même, il est quand même de très bonne qualité. Ça va, arrête de me jeûner ton bonheur à la figure, s'il te plaît. Non, mais après, c'est vrai que avec l'équipe, c'est vrai qu'on a roulé un peu partout et c'est quand même toujours un plaisir de venir sur des pistes. Qui sont à l'écoute et qui ont envie de faire venir de belles équipes internationales. Donc moi c'est voilà, aujourd'hui c'est pour ça que je voulais venir avec l'équipe. Voilà, et puis d'une part c'est un plaisir et puis faire découvrir une autre piste aussi. Et bien en tout cas voilà, vous pouvez applaudir vraiment très fort Boris, ils n'ont rien lâché hein, du début à la fin. 405 tours, voilà, une piste sèche, en tout cas tout du long. Donc voilà, on a eu un temps magnifique contrairement au 30 avril, donc ça fait plaisir. On peut déjà vous donner le prochain rendez-vous puisque la prochaine aura lieu le 23 septembre, le samedi 23 septembre pour la prochaine endurance de 6h. Donc voilà, on aura un super rendez-vous. Anne,
Bravo. Mais non, moi je tenais à féliciter tous les pilotes parce qu'on a innové Boris, mais il y a tous les pilotes aussi. Et moi ça me fait plaisir qu'ils viennent, que de grands pilotes comme ça viennent sur notre petite piste de karting. Et ça sera toujours un plaisir de vous accueillir, tous autant que vous êtes, le premier jusqu'au dernier. Vous avez, pour moi, vous avez tous gagné, vous avez tous participé. Donc c'est déjà flatteur pour nous. Et on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on va partager notre premier gâteau d'anniversaire au karting de Sainte. Et on va essayer de vous tirer un mini feu d'artifice. Ça ne sera pas celui de Sainte, mais on va essayer de vous faire plaisir en tout cas. Bravo. Merci beaucoup. Ce ne sera pas celui de Sainte, mais ça sera celui du cœur qu'on va tirer ce soir. Et voilà.